Bonjour à tous, bonjour les golfeuses, bonjour les golfeurs. Ben, on se retrouve aujourd'hui au golf de Barbaroux en compagnie de Xavier de la Golf Hitter Academy. On va jouer ensemble pour lui faire découvrir le parcours de Barbaroux, un petit scramble hein, pour essayer de faire un bon score. Donc la première partie sera sur ma chaîne et la seconde partie sera sur la chaîne de Xavier, la chaîne Parcours Golf. Donc Xavier, ben, je te laisse te représenter. T'es quel niveau ? Bonjour à tous. Voilà, bon, c'est la première fois à Barbaroux, je viens découvrir le golf. Je suis index 22. J'ai repris le golf il y a un an et demi à peu près, voilà, début 2019, après plus de 20 ans d'arrêt. Donc je m'y remets là cette année pas mal, et surtout depuis le déconfinement. Et je me suis pris au jeu en fait aussi de créer une chaîne YouTube, Parcours Golf, que je vous inviterai. Donc on va faire un scramble. Voilà, c'est ça. Scramble à deux. Première partie sur la chaîne et la seconde partie voilà, sur la tienne. Retour sur la tienne. Et on la sortira, je pense, en même temps. Vous aurez les deux parties en même temps. Voilà, ben, bonne partie. En espérant qu'on passe un bon moment. Ouais. Allez, à plus. Tu vois, tu vises la tache marron. Ouais. Bon, moi, je vais l'assurer. Je vais viser là, il va slicer un peu à droite. Bon, déjà, il faut voir que je suis. Après, il ne faut pas qu'elle slice dans les oliviers. Et voilà, ouais. Super. C'est pas chaud. Belle mise en jeu. C'est safe, c'est propre, nickel. Voilà, moi, là, on est. C'est un beau coup de golf. On est sécure. Ah, jolie. Elle a un bel effet. J'espère même qu'elle n'est pas trop longue. Ah, superbe. Magnifique. C'était là où il fallait jouer. Bah, on est bien parti. Hein. Allez. Voilà. Donc, la balle de Xavier. On est, pour moi, je suis à 100 mètres. Oh, je pars. C'était long, là. Ah non, c'est dans le trou. Ouais, ça va. Ça va. Oui, reste là, ouais. Trop long. Trop long. T'as joué quoi? Un pic, détoqué un peu. Ouais. Ah, il est sur le green. T'es sur le green, c'est bon. On est sur le green en deux. Reviens. Un peu large. On va me taper le pied. Ah, joli, joli. Yes. Ah, quand même. Ah, t'as vu, après, elle a repris une... Oh, joli. Merci. C'est le par. Bon, trou numéro 1, un par pour commencer. Hein. On a fait deux bons premiers coups, tous les deux. Et puis, voilà, l'approche est peut-être un peu longue, le coup de pitch. Ouais, allez, je topais un peu ma balle et du coup, elle était un peu longue. J'ai quand même eu de la chance, elle est restée sur le green, donc ça va. On s'en sort bien et c'est un premier trou. Voilà. Voilà, on s'est échauffé un peu, mais c'est parti maintenant. Allez, c'est parti. Donc le green est sur le plateau là-haut. Il faut essayer d'être dans cette zone. Je joue un bois 3. Et Xavier après un drive. Mais c'est pas encore entre c'est pas. Et le drive. C'est pas en fonction de ce que je joue. Droite au drapeau. Donc hybride. Voilà. Elle est morte. Hein ah, je ne sais pas si elle est passée. Non. À gauche, faudra voir où elle est. Bah, finalement, la balle de Xavier, bah, elle a dû avoir un kick ou projeté par les arbres et on est bah, tous les deux ensemble. Donc je pense qu'on va prendre la tienne parce que tu es un peu mieux dans l'axe du drapeau. Ouais. Là, il est meilleur et. Jolie, elle doit passer les arbres, c'est bon, t'es sur le green. T'es green ou pré-green? Pas mal. Ah, c'est à gauche. C'était un beau coup aussi. Il y a la longueur, mais. Elle va descendre un peu à gauche, elle va rouler, c'est ça? Elle va être en bas là. Ouais. Jolie. Je pense que. Je pense qu'on doit être pas mal pour. On va être bien pour le par. À prendre le dégât. Pas là où ça. Allez, peut-être pour part. Hein. Ah, sinon, je le fais. Bravo. Incontestable comme ça. Ben, part encore. Hein. Numéro 3.
Bah, il faut driver dans cette zone-là. Et après, il y a un dénivelé en bas où il y a le green à 35 mètres. Donc là, on est sur deux parts. On est bien. Beaucoup. Bravo. Ah bah du coup, c'est tranquille pour attaquer. J'ai jamais mis cette longueur-là. Génial. Mais te lâche pas trop parce que si tu passes derrière la derrière là-bas, c'est pas bon non plus. Hein. Oui. Bon, on doit pas être loin d'aller monter. Allez dans l'axe, c'est bon là. Je la vois plus mais. Ouais là, c'est bon. Je pense qu'elle est trop à gauche. Ouais mais ça va aller. C'est jouable. Oh, ça va aller. Bon, j'ai pas vu, mais j'ai peut-être overdrivé Xavier. On va voir. Bon. Donc je suis là. Non, en fait, Xavier n'a pas voulu se laisser overdriver. Il est là. Je pense qu'on va jouer la tienne. Hein, ça sera plus à plat. Ouais, plus à plat et un peu plus haut. C'est pour ça de gagner. Parce que surtout, c'est plus à plat, c'est mieux. Par contre, faudra viser le. Comme le green est vraiment dans le trou là. C'est un birdie qu'on aurait pu faire à deux. Et le par. On va s'en contenter, c'est déjà très très bien. Nickel. Bon, bah, trois parts d'affilée, ça fait plaisir. Hein, on est bien. Hein, on est bien. Super. On est bien. Bon, maintenant on va attaquer le par 4. Celui-là, je l'ai fait en vidéo en 42 secondes et quelques. Et j'ai fait le par. Donc bon, là. Du coup, tu fais pareil, tu vas courir. Je vais courir. Non, je déconne. Je pourrais pas là. Physiquement, je pense que je pourrais pas. Ouais, il fait quand même 34 degrés là. Il fait quand même chaud là. Un fer 7. Ouais, il vaut mieux viser à droite du drapeau. Hein. Chier complet. Ouais mais attends, c'est pas mort ça, hein. Tu peux quand même. Ah non non non, c'est tu peux quand même bien la planter proche du main. Hein. Bah elle est en jeu si jamais ouais. Tu pars à droite ou à gauche. C'est ça. Joli, reste, tombe pas trop. Habituel. Ouais joli. Des bonnes greens. Joli. Allez, on va péter pour le birdie, faut y croire. Allez. Joli coup. C'était un faire quoi? J'ai pris un 7 là du coup. Joli coup de faire 7. Bon. Voilà, on est là. Là on est bien en pente. C'est roulant. Bravo, le par. Quatrième. Quatrième par, mais attends. On enchaîne. Quatre parts, pas un bogey. Il faut qu'on joue ensemble bien. Parce qu'on joue bah, bien voilà, ouais. Quand on est ensemble. Alors, très compliqué celui-là. Bon, moi, je vais viser le fairway là. Le drapeau est là-bas dans l'axe, derrière l'arbre. Ah, ça ne fallait pas. On va revenir, non? Je t'ai pas vu tomber. Ah, je suis dans les châssis de merde, là. Elle a pas pris un kick pour revenir à gauche? Non, c'est pas grave. Et ouais, j'ai slicé. Ah non, c'est gratté. Oh là là. Oh là là. Ouais, elle est bien là. Ouf, ouf, ouf. Qu'est-ce qu'elle est gratté? On est en bout. 7. Bon, moi, je vais essayer de me placer sur le plateau là.
Voilà, c'est mon drive qui, du coup, j'ai gratté et un peu court, heureusement, sinon. Voilà, au moins là. Pardon. J'ai une balle, je pense qu'elle est sur le fairway, là. Si j'ai pas trop roulé derrière. Et à l'aveugle, c'est pas. Quand tu connais pas le trou, rien. Ah oui. Ah ouais, si, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Ouf, magnifique. Je te dis où là, on est bien, là. Donc, joli deuxième coup, c'est ça, d'hybride, hein. Deuxième à l'hybride. On est sur le troisième pour être green en régule. Il reste une. 50 mètres, là, c'est ça, hein. 50 mètres, ouais. 50 mètres. Poids longue. Oh là 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 là. Ouf. Celle-là. Là, il y a teinte. Beaucoup en trop, là. Il y a beaucoup trop. Allez, donc là, Stéphane a un maximum de pression. Il faut qu'il pose sur le green parce que moi j'ai traversé, piqué rouge derrière. Donc il faut, au pire, il pose pas sur le green, il faut qu'il soit court. Voilà, c'est bien, c'est très bien, c'est safe. Voilà, oh. Il vaut mieux largement ça que faire un truc comme j'ai fait. Donc c'est bon. Ah, il est dur le 5, il est. Pas, il est chaud, chaud. Super. C'est bien. Ah non. Ouais. Bon, on est en 4 sur le green. Oh, ça c'était une belle ligne. Très très bien. Allez, c'est pas grave, on a le bogey qui est dedans là. Allez, bogey donné, hein. On craque là. Bon, ben bogey, hein, celui-là, bon, c'est le handicap 1. Ouais. Bogey, voilà, dommage, on a été un peu perturbé sur cette, c'est ça. Ce trou-là. Quand voilà, la chaleur, trou, compliqué. Il est, hein. Celui-là, il est ouais, compliqué. Il est super psychologiquement. Il est compliqué. Très intimidant ouais. D'en bas. Les grosses questions partout. Quand ah, on ouais. est en bas, quand on n'est pas à 50 mètres du green. On sait pas où on est. Question mentalement, c'est. Il est dur, vraiment très dur. Quoi. Allez. Mais, là, c'est notre chip qui a pas été bon. Ouais, on a pété bon tous les deux là. C'est l'approche ouais, parce que ouais. Sinon on était en 2, on aurait dû être dessus. Ouais, on doit être en 3 sur le. Donc. Bon, allez, on va attaquer le 6. Ils sont mieux là, 6, 7. On se remet dedans. Ça a bien tapé quand même, hein. C'est dommage. J'avais la broche qui me gênait, donc j'ai peut-être là-bas, si je la retrouve. Non. C'est pas revenu. Ouais, elle est belle. Ouais, superbe. Superbe. Bijou. Ben, à la vue, je la voyais carrément au bout de. Ouais, t'as bien tapé quand même, hein. Alors, on n'est pas sûr dans les distances là entre le piqué de 135 et derrière nous. Ah non. Si, elle va être là, elle va être courte. Elle va être courte, t'as gratté. Ouais, ah mauvais, le kick en plus, là elle est en contrebas. Hop, danger de la pente. Je suis enroulé à gauche. Et bah pareil à peu près, hein, non? Ah, je suis au même endroit. C'est perdu là-bas, non? Non, toi t'es pas. Moi peut-être, mais toi t'es pas. D'accord. Perdu. Toi, bon, bah t'as pas la pression encore, c'est bon. Ça va, nickel. Et bah on n'est pas bien là. Elle est bien mieux. Perte de confiance. Hein, ah bah, là. Elle ne donne pas donné là. Non, elle n'a pas donné là. Combien on est en si tu rentres, c'est le par. Ah, tu joues pour le par là. Là, tu t'es lâché. C'est un trou remise en confiance. Après le double et le bogey, on doit faire le par. Ou le birdie. Donc ben là, tu vois le drapeau. Ouais. On peut pas aller à droite, à droite, on peut pas la faire de la changer. Évident, ouais. Magnifique. Ouais. Ça va aller, je suis sûr que ça va aller. Putain, c'est juste, juste, c'est juste. Alors, je veux aller bien. Très bien, beaucoup. Arriver tranquille.
Oui, superbe. Petit fade. Bien, bien, elle reste bien. Allez, on va jouer la tienne, elle est belle. C'est tombé sur le green au début. Hein? C'est tombé sur le green, non? Tu crois, c'est ouais, ça. Hein. Partir en arrière, bravo. Je sais pas. Il me semble, d'ici, je sais pas. Voilà, on est arrivé pareil, on va jouer la mienne là. Belle. Allez, pardonnez. Non? Non, dommage. Bravo. Allez, part. Bon, enfin le par sur le trou numéro 7. Après un bogey, un double, là, on est reparti. On est bien, on est sur une bonne dynamique. Là, on va attaquer le trou numéro 8. Il y a environ 140 mètres. Alors, il est protégé de deux bunkers sur les côtés. Voilà, il y a deux bunkers de part et d'autre du drapeau. Il faut vraiment pas être à droite, sinon il y a le dévers. Et bon, c'est jouable, mais on n'est pas bien après. Joli. Ouais, mais elle est en jeu. Je peux me perdre sur le côté, c'est ça qui est bien. Ça roule plus, bravo. Bon, trou numéro 8, bon, on est devant le green. On peut viser le par là, hein. Faut pas se louper, mais ça devrait le faire. Alors, on va jouer ma balle, je pense. Ouais, encore. Ah ouais, c'est bien, t'as mieux roulé. Ça tient un peu d'ombre. Très court. On va se mettre à l'ombre, parce qu'il fait quand même très chaud. Allez, roule. Ouais, mais elle approche. Ouais, ça va. C'est beaucoup plus à gauche que ça, en fait. Ouais. Allez, je suis prêt à courir vers le trou pour filmer qu'elle rentre. Ouais. Ouais, quoi que le petit retour, là. Oh, oh. Ouais, en fait, c'était à gauche qu'il fallait autant, vraiment à gauche, quoi. Oui, celle-là elle est sublime. J'ai pas trop vu tomber, mais. Vers le chemin, il y a les cordes. Le... Ouais. Ouais, mais moi je suis 105 au drapeau. Je... Pas milieu de green, 115. Oui. Ça y va, presque. C'est avant green, ça, c'est ça. Bravo. T'es un poil à droite, mais voilà, tu vois, t'es pré-green parce que t'étais un peu à droite, mais ouais. T'es plus dans l'axe du drapeau que moi, je pense. Oui, magnifique. Allez, pardonnez. Hein. Bon, là, il y a le par qui est donné, donc allez, un petit coup pour la boîte directe. Joli. Non. Ouais, un poil fort. Et regardez la taille des greens quand même. Allez. Donné. Allez, le par. Hein. Bon, ben, sur cette allée, on est à plus 4. Plus 4. Hein? Après une phase, une période. Compliqué, un peu, ouais, mais bon, un peu pas compliqué mal. Compliqué au milieu, mais bon, c'était psychologique. Allez. Et voilà. Bon, ben, les golfeurs et golfeuses, eh ben, on a fini l'allée de ce parcours. On finit en plus 4, 2 bogeys, 1 double. Voilà, on a eu un petit creux à partir du 5, quelques péripéties avec notre voiture et nos chariots. Mais bon, voilà, rien de grave, ça nous a un peu perturbé. Mais bon, allez, c'est parti pour le retour. Donc, l'allée, c'est sur ma chaîne, hein, n'hésitez pas à vous abonner. Et le retour,
ça sera sur la chaîne de Xavier, Parcours Golf. Hein, il y aura le lien de toute façon dans la description et puis on publiera ça en même temps. Un petit mot. Super, je m'éclate. Merci beaucoup. Le golf est top. Et à chaque fois qu'on joue ensemble, c'est fun et on s'amuse beaucoup. Donc c'est super. Bye pour l'aller. Maintenant, on attaque le retour.